Ils sont marrants, cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Darmanin et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira, bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés, et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième. Il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel Bent et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet